song to the best hand coach. Now, instead of bringing it past me, I must scoop out. And notre technique au monde où il y a une telle articulation de corps, surtout de tronc. Je sais que si je vois pendant une minute un spectacle de théâtre no, je sais, voilà, c'est de théâtre no. Je vois dans une minute un spectacle de kabuki, je sais que c'est kabuki. Si je vois une minute un spectacle de mime, je sais que c'est de mime corporel. Pourquoi? C'est pas par le costume, c'est pas par la musique, c'est par cette articulation de tronc qui est unique au monde, cette façon de désyllaber le corps. Tout ce système de désyllaber le corps, c'est unique dans le travail d'Étienne Ducroux, mais aussi sa façon de recombiner dans les figures de style, dans le répertoire, par exemple la bandière, le menuisier, la vie primitive, le monter à l'arbre, toutes ces choses-là qu'il a créées, qu'il a laissées avec ses élèves, ses anciens élèves. Et puis aussi, chacun de ces choses, c'est une chanson, parce qu'il y a à l'intérieur de cette recombinaison d'éléments décomposés, recombinés, il y a une chanson dedans, les dynamorythmes qui jouent, qui expriment dans leur tour les états d'âme. Now, regarde, la tête est un peu tournée à ma droite, et je reviens avec la tête par là et le corps par là. Donc, c'est un rétablissement de deux éléments. Si je voudrais, je pourrais faire ça. Je peux rétablir le corps avec le visage. Mais it doesn't have the slack. Do you see? I bring it back. C'est une composition. Une composition, c'est une petite machine pour fabriquer et pour retenir une énergie. Donc, n'importe quelle série de mouvements peut servir comme cette machine. Mais il faut bien avoir la possibilité de jouer une musique à l'intérieur de cette série de mouvements. Alors, si je dis je vais avoir 5 mouvements, alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec cette série de mouvements-là, je peux faire à l'infini la possibilité de composition, en fait, composition, décomposition, recombinée, et de faire les phrases avec, qui permet que, afin de répéter assez de fois, j'ai une espèce de musique qui monte en moi, qui est créée par cette composition et qui est retenue par cette composition. Et cette musique circule dans cette série banale de mouvements. Et puis, enfin, on voit mon âme à travers ces choses banales. On voit ma vraie chanson dans cette série de mouvements banals. Alors, comme M. Ducroux a dit, on doit faire l'extraordinaire avec l'ordinaire et pas l'ordinaire avec l'extraordinaire. Donc, pendant les 30 ans que j'enseigne, j'essaie toujours d'enseigner les exercices de composition qui sont d'une banalité complète, mais c'est dans le dynamorythme, c'est dans la façon de chanter dans cette petite composition que l'extraordinaire se révèle. L'extraordinaire dans chaque personne, leur façon extraordinaire de faire les choses complètement ordinaires.